Allez, bonjour à tous. Spécial neige, évidemment, en direct de la place du village. Alors, elle était attendue, cette neige, elle est arrivée. Nous sommes ici au Saisy, au signal de Bizane, en direct, bien sûr. 1940 mètres d'altitude. On est presque à 2000 mètres d'altitude et vous l'avez remarqué, il neige pas mal d'ailleurs, en ce moment avec un vent assez soutenu et puis surtout des températures qui sont extrêmement fraîches, températures d'environ moins 1. Et regardez la neige qui tombe, c'est assez impressionnant. Première chute de neige, première offensive hivernale sur les Alpes. Alors, vous nous recevez certainement quelque part là où peut-être qu'il pleut chez vous, peut-être qu'il neige chez vous. Alors, donnez-nous un petit peu, on va faire un petit peu le point justement. Salut ceux qui nous rejoignent là. On va faire un peu le point sur Sylviane Noël, la sénatrice, la jeune sénatrice qui nous regarde. Hein. Ben, c'est sympa. Peut-être qu'il a neigé à Rome aussi, Rome-sur-Cluse, Nancy-sur-Cluse. Dites-nous, faites un petit peu le point justement. On rappelle, signal de Bizane, 1940 mètres d'altitude. Bonjour à Stéphanie qui nous regarde aussi. Et là, c'est la neige qui tombe carrément, avec une température de moins 1 environ. Et puis, on va faire un petit tour, puisque la connexion le permet. Environ, alors on va voir, tiens, il y a une petite table ici. On va s'approcher, tout ça en direct. Bonjour Aurélien, Julia, Sylvie Dur aussi, à Megève. Beaucoup de gens qui nous regardent pour ce direct spécial neige. C'est la grande offensive de l'hiver, première arrivée de l'hiver, qui était prévue d'ailleurs. On l'avait bien prévu, sur notre site d'autres l'avait prévu. Voilà, un petit peu. Alors, en direct, hein. On a 4 cm de neige fraîche ici. Voilà, 4 cm de neige fraîche ici au signal de Bizane, 1940 mètres d'altitude. On est au sommet des pistes des saisies. Buongiorno, la place du village. C'est Antonio qui nous dit bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Vous êtes nombreux à nous regarder ce matin. Regardez les émetteurs ici. Alors, c'est très impressionnant parce qu'on est seul. Salut Hervé Bord, proviseur du lycée de Troyes. Regardez, Bizane, 1940 mètres d'altitude. 4 degrés plus au Grand Bornand, bah donnez-nous vos températures, dites-nous quel temps il fait. Tiens, on va faire un petit point spécial ce matin, on en profite, il fait beau. J'ai réussi à monter en voiture ici, je tiens à le dire quand même, parce que avec des pneus équipés, attention, on est bien équipés, il faut le préciser. Bonjour Passy aussi, bonjour voilà l'émetteur ici. On va faire un tout petit tour ici pour montrer un peu le temps qu'il fait à Bizane. Chez vous, alors dites-nous un peu, parce que d'après nos informations, la neige tombe sur le Jura. Confirmez-nous tout ça. Elle tombe aussi, un petit peu devant ici, hein. Elle tombe aussi sur le Massif Central ce matin. Elle tombe aussi, elle tombera beaucoup, beaucoup sur notamment les Préalpes. Et puis après, on aura un retour d'Est avec beaucoup de neige sur la Haute-Maurienne. Pas aujourd'hui, hein, mais dans 2 jours à peu près. Hein. Voilà, donc bah, vivement qu'elle descende cette neige. Bah, là, on est en plein dedans. Rachel Danglard à la Giette me regarde aussi. Bah, je pense qu'il a neigé aussi. Il doit neiger au col des Aravis, j'imagine. Hein. Pour l'instant, les routes sont bonnes, on précise. 5 degrés à la Giette avec de la pluie, nous dit Rachel, justement. Donnez-nous vos informations. Allez, voyez ce qui tombe ce matin. Signal de Bizane. On est au cœur du Beaufortin, on rappelle. Le cœur du Beaufortin, c'est les Saisies, la belle station des Saisies, qui est pour l'instant bien endormie, on va le dire. Il pleut dans le Gard, nous dit Romain. Neige au Prat de Lys. Ah oui, Guillaume. Quelle épaisseur, Guillaume. Nicolas, 3,7 à Cordon. Voyez le point. Hein. Et ce matin, c'est important parce que c'est la première offensive hivernale. François Gardet, qui n'est pas loin de nous, qui nous regarde aussi ici. Alors, on va faire un petit tour. Tiens, montrer à quoi ça ressemble, cette première offensive de la neige. Alors, trace de pas. Je suis tout seul, hein. Il n'y a personne ici. Voilà, bonjour à la place du village, merci. La voilà arrivée, la Grande Blanche. Bon, on l'attendait avec impatience, elle est arrivée. Bon, on sait que ça va repartir, attention, on sait qu'on est on est fin octobre seulement, donc elle va repartir. Gris et pluvieux sur Monaco, nous dit Maryse Fabre, justement. Et en Belgique, à Moucron, 7 degrés. Voilà, 7 degrés 4, c'est précis. Voilà, on s'approche ici. Alors, les conditions sont particulièrement fraîches, hein, pour ne pas dire froides. Alex d'Orange qui nous dit 7 degrés à Cornier, puis les vaches, elles sont... J'allais poser des questions, les vaches sont au chaud, puis ça fait de l'eau. Attention, c'est important, on sait que les territoires sont très très secs. 3 degrés 7 à Cordon, à 1000 mètres d'altitude. Noacan, un peu de pluie, mais très doux. Bonjour de la part de Stéphanie aussi, de la part de Nicolas Paredes aussi. Voilà, on est au Saisy. Bah, écoutez, si vous êtes chez vous dans le week-end, bah, profitez bien. Neige sur la chaîne des Aravis, on nous dit effectivement. Voilà ce qui se passe en direct depuis les saisies. Alors, on est au sommet du signal de Bizane, 1940 mètres d'altitude, moins 1. La neige est arrivée comme prévu, effectivement, une petite croix ici. Alors, c'est un peu le contraste entre la tradition, la croix ici. Hein. Marie D qui nous regarde ici, Alain aussi. Monique Vincent, ça tombe bien, bon courage. Oui, il ne fait pas très chaud, hein. Effectivement. Il pleut à 1100 mètres à Megève, chez Sylvie Dur. Voilà les émetteurs ici. On retrouve les émetteurs ici. Très important ces émetteurs, hein, puisque c'est un peu grâce à eux que j'ai la connexion ce matin. Il faut bien le préciser aussi. Hein. Puis pour la télé aussi. Marseille, de la pluie. Voilà ce qui se passe ici. Alors, donnez-nous vos informations aussi un peu plus haut, hein, du côté de peut-être les stations, l'Alpe d'Huez, peut-être Valto aussi, Val Thorens. Temps idéal pour manger le farcement, nous dit Rachel. Ah, il était bon ton farcement l'autre jour. Hein. Virginie Lambert, bonjour de 62. Le temps est couvert, mais pas de pluie. Marie-Claudine qui nous regarde aussi.
Voilà, c'est calme. Alors c'est la première, hein. Attention, on précise bien, c'est assez important, on sort de 3 mois de sécheresse. Elle tombe, c'est calme, 2 à 3 cm auprès de lui. Merci Guillaume Perriard, merci beaucoup. Voilà le point formation qu'on peut faire. N'hésitez pas, si vous avez des infos sur du Massif Central aussi, à nous les donner. Vous voyez, donc on a des petits glaçons qui se forment aussi déjà, hein, moins 1, donc température assez fraîche. Vent plutôt calme, alors on va bien montrer par terre ce qui se passe, c'est assez intéressant. La neige est tombée un peu humide ici. On est au signal de Bizane, on est sur les Saisies, c'est le Beaufortin, c'est les Alpes du Nord, c'est la Haute-Savoie, on précise bien où on est. On salue Eric Germanier du côté de son beau vallée là-bas. Un bon coup de genépi, ça va très joli. Oui Pierre, oui, ben, le genépi est pas loin, vous voyez. Regardez, alors ça c'est assez impressionnant, c'est le premier.